ça sonne dans le téléphone. On a quelqu'un qui va bientôt arriver avec nous pour discuter de l'événement Speedon qui va être organisé la semaine prochaine. Allô ? Ah ? Allô ? Non. Est-ce que ça fonctionne ? Alors nous, on n'entend rien. Ah, il y a une voix dans le fond. Attendez, attendez. Oui, de très très loin. Je vais essayer de monter le son. Je suis désolé, C'est la panique, t'inquiète pas. Tu vas très bien, on est habitué. Comment vas-tu ? Ça va bien et vous ? Ouais, nickel. Attends, je vais te mettre vraiment à fond. Vas-y, comment ça va ? Redis-le. C'est bon. Super. C'est bon, tout va bien. J'essaye de tenir le micro le plus près de ma bouche possible pour que vous m'entendiez bien. Ouais, bah merci beaucoup. Non, apparemment, c'est bon. Tu t'appelles Guillaume ? Tout à fait. Et tu es... alors, je n'ai pas ta fonction précise, mais tu travailles pour l'événement Speedon qui aura lieu la semaine prochaine. Je suis l'organisateur de Speedon. L'organisateur, carrément. Ok, bonjour monsieur. Voilà. Du coup, je ne sais pas si tu as suivi l'émission un petit peu aujourd'hui. On est en train de parler de Speedrun et je trouvais ça important de parler du Speedon qui est un événement très important puisque c'est un événement caritatif. Et, c'est pour ça que Anna avait envoyé déjà un message avant que je le fasse et que je t'ai contacté. C'était pour avoir plus d'informations sur le Speedon. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement, s'il te plaît ? Oui, oui. Alors, Speedon est un marathon de speedrun qui se déroule pendant 55 heures, qui aura lieu cette année au Palais des Congrès de Paris. C'est un événement conjoint entre Médecins du Monde et Mister MV qu'on a imaginé en 2019, qui a subi quelques péripéties du fait du Covid, puisque la première édition devait avoir lieu en mars 2020. Et donc, compte tenu du timing, vous vous doutez bien que ça a été compliqué. Donc, on a été reporté une première fois en novembre de la même année, puis finalement, Speedon a vu le jour en mars 2021. Et donc, cette année, ça sera la deuxième édition. On réunit cette année 61 runners, donc 61 jeux. Ah, un petit peu moins parce qu'il y a certaines races, donc deux joueurs qui s'affrontent en même temps sur le même jeu. Et on a une équipe d'ambianceurs avec, on a révélé quelques noms comme Zerator, Damdam, Shisheyu, Link, etc. En toute simplicité. en toute simplicité, qui nous font la grande joie et la grande amitié de venir. Et puis des casteurs, donc des commentateurs qui viennent commenter les runs pendant qu'elles se déroulent pour expliquer en gros les passages difficiles et puis les subtilités du jeu. Et donc cet événement est public ? Cet événement cette année est public. Il devait être public la première année, mais compte tenu du Covid, on a dû fermer les portes. On a eu la chance d'ailleurs de pouvoir le faire finalement à l'Accor Arena, ce qui a été plutôt sympathique, même si évidemment on n'était pas dans la grande arène, on était dans une salle en dessous, mais ça a été assez confortable. Cette année, on peut enfin accueillir du public. Donc, il y a 650 places dans le théâtre. Et voilà. Alors, on n'est pas tout à fait complet, mais il y aura déjà beaucoup de monde et pour l'ambiance, ça va être particulier. Ça va être une grosse pression pour les runners. Je pense qu'ils s'attendent pas bien à ce que ça va être. Ouais, parce que les runners, c'est eux qui ont postulé pour participer à l'événement, si j'ai bien suivi. Ouais, parce qu'il y avait une inscription. D'accord. C'est ça. Il y a un formulaire d'inscription qui est ouvert à peu près. 3 à 4 mois avant l'événement. Cette année, on a reçu 450 heures de run proposées. Donc, on a une équipe, une grosse équipe de spécialistes qui regarde toutes les runs proposées pour faire une sélection et qui se réunit ensuite autour de Mister MV pour faire la sélection des runs qui seront retenus pour l'événement. Donc, 450 heures proposées pour 55 heures retenues. Vous imaginez ce que ça fait comme travail, c'est juste gigantesque. Après, c'est des passionnés. Hein. Tous les gens autour sont des passionnés, donc ils le font avec plaisir, mais c'est quand même un engagement. Et donc, les joueurs qui sont sélectionnés ont pour habitude de participer, pour certains, à des événements du même type, Interglitch, enfin ex-Bourla Run, mais qui sont en général avec peu de public. Là, la scène est assez impressionnante parce que le théâtre est beau et gros. Donc, on a prévu, avec nos bénévoles, on a prévu une équipe pour les soutenir quand ils vont arriver sur scène, voilà, pour éviter toute fuite. D'accord. L'événement est un événement caritatif, donc on l'a survolé vite fait. Est-ce que tu peux parler vite fait de ce côté-là, parce que c'est pour Médecins du Monde ? Exactement. Alors, l'idée à l'origine était d'accompagner Médecins du Monde dans sa volonté d'investir le secteur de l'e-sport et du gaming en leur proposant quelque chose qui soit en cohérence avec leurs actions et leurs valeurs. Donc, par exemple... Médecins du Monde ne souhaitaient évidemment pas avoir des jeux violents, de guerre, etc., sachant qu'ils sont
Ils sont actifs sur de nombreux terrains de guerre, Yémen, Érythrée, etc. Aujourd'hui, évidemment, ils sont au Donbass, ils y sont d'ailleurs depuis 2015. Donc voilà, il fallait trouver un juste équilibre entre leurs attentes et la nécessité de lever des fonds, puisque c'est évidemment névralgique pour les associations de ce type. Ensuite, la rencontre avec Mister MV, c'est hyper bien passé. Ils se sont, ça a très bien matché entre l'asso et lui, donc ça a été beaucoup plus facile pour avancer. Et puis voilà, c'est un élément fort dans leur calendrier maintenant. Toute l'équipe de l'asso est vraiment investie et vraiment intéressée. On a de nombreuses personnes dans l'équipe qui participent, soit par réelle passion. On a certains runners amateurs, hein, mais dans l'équipe de Médecins du Monde, soit juste par envie de filer un coup de main pour cet événement, qui a permis quand même l'an dernier de lever un peu plus de 600 000 euros. Bon, on verra cette année ce que ça donne. On a évidemment l'espoir de faire au moins aussi bien, mais voilà, c'est vraiment c'est quelque chose d'important pour eux, et ce sont des sommes qui sont importantes dans leur financement, et on expliquera d'ailleurs cette année un petit peu comment est utilisé l'argent collecté. Et pour faire des dons, comment ça va se passer? Puisque c'est en IRL, au Palais des Congrès à Paris. Si vous nous suivez sur Twitch, vous avez le lien que je viens d'afficher pour prendre vos places si ce n'est pas déjà fait. Sur campuslille.com, vous avez un article qui annonce l'émission avec le lien. Mais c'est sur Twitch aussi, forcément. Exactement. C'est sur, alors, c'est à la fois sur la chaîne de Mister MV et sur la chaîne de Spidon. Vous pouvez faire des dons directement sur la plateforme. Alors, elle n'est pas ouverte hein, pour l'instant, mais elle sera ouverte au lancement de l'émission. Vous pourrez faire des dons directement. Alors, je précise que les dons vont, enfin, toutes les sommes, que ce soit pour des dons directs, que ce soit pour de l'achat de t-shirts, etc., ça va directement chez Médecins du Monde. Voilà. D'accord. Donc, quand on fait un don, c'est directement sur le compte de Médecins du Monde, qui est le financeur et l'organisateur de l'événement. Oui, évidemment, il n'y a aucun transit entre les organisateurs et Et Médecins du Monde, c'est directement chez eux. Exactement. C'est le compte PayPal de Médecins du Monde directement. D'accord. J'invite tous nos auditeurs et nos viewers également à suivre l'événement. Et auditrices. Oui, je ne vous pas. Oui. Oui, non, mais espèce de malpropre. Pardon. j'invite tout le monde. Voilà, merci. Tout le monde à suivre l'événement. Spidon, vous avez un site internet. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup? Oui, spidon.fr. Alors, c'est assez sommaire, hein, mais il y a quelques liens vers les éléments. Il y a un décompte aujourd'hui. En attendant l'événement, on est encore un petit peu light sur cette page-là. Mais sinon, il y a le Wengus, qui est le soft dédié sur lequel il y a beaucoup d'infos, et également le Discord de Spidon, qui est accessible depuis la page spidon.fr, où il y a énormément d'infos, où il y a beaucoup de présence de tous les casters, tous les runners qui partagent leurs vidéos et leurs prévisions en vue de l'événement. Et on le rappelle, bien sûr, Spidon, c'est spidons.fr pour accéder du coup au site. Et moi, j'espère vraiment qu'on va être nombreux et nombreux à regarder cet événement. Bon, en tout cas, je serai, je pense, scotché 55 heures devant un écran. Je vous promets, il va y avoir des tonnes de Chatterton chez moi. Ça va être l'enfer. Madame, elle va être contente. Et allez, pour la bonne cause. Petite question subsidiaire, Guillaume, t'es runner? Non, je suis joueur, mais pas runner. D'accord, donc c'est vraiment pour le plaisir de voir les gens galérer et stresser pendant des heures. Non, mais y a, franchement, il y a des trucs. Moi, l'an dernier, j'ai découvert Ozu. Oui. Et en plus, j'ai la chance de pouvoir voir les joueurs à l'entraînement, ce qui est encore plus impressionnant que sur scène. Mais je vous jure, passez, même si vous n'êtes pas spécialiste, même si dans l'absolu, vous dites le spin run, c'est un truc un peu ésotérique, c'est pas pour moi. Venez voir quelques runs, c'est ultra impressionnant, vraiment. Je compare ça pour les gens qui ne connaissent pas, je compare ça aux Jeux Olympiques. Quoi. C'est comme de voir un type qui va sauter 2m40 en saut en hauteur. On a tous essayé de sauter une barre à l'école un jour, on a difficilement passé le mètre. Bah, là, c'est pareil, on voit des gars qui font des trucs hallucinants sur des jeux. Et Ozu en particulier, c'est vraiment ultra impressionnant. Même regarder des VOD, c'est très court, mais la vitesse et la précision des joueurs est vraiment impressionnante. Faut pas cligner des yeux, ça c'est sûr, sur Ozu. Non, non, il faut pas prendre trop de Red Bull avant, sinon ça va trop loin. Non, je sais pas, tu me regardes avec l'air d'autoroute, qu'est-ce qui t'arrive? T'as avancé sur ton micro. Bon, bah merci Guillaume, merci beaucoup pour cette promo. On remettra un message sur les réseaux sociaux, il y aura la VOD pour présenter l'événement sur YouTube. Je vous invite à la partager quand ce sera fait, amis auditrices, auditeurs. Et merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Merci à toi d'être venu. Et bonne préparation. Et je te souhaite un bon événement. Du coup, bon courage. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi. Merci. Ciao. Salut.